Bon alors là, on est en train de se préparer à manger, on fait un feu, tout ça, c'est dimanche. Regardez-moi cette tranche de bidoche, c'est un truc de fou. C'est quoi, du rhum steak? Rhum steak. Et là, on a les deux gardes. Hein. Les deux là, depuis qu'on a sorti la viande, ils sont là et ils gardent ce superbe morceau. Parce qu'on ne sait jamais, hein, elle peut peut-être se barrer en courant, donc voilà quoi. Donc c'est génial. Alors regardez, pommes de terre sautées à la graisse de canard, bonne viande à l'échalote, petit pain grillé avec un super temps magnifique. On Et est beau fromage. le 20 décembre. Hein. Pas Alors ça s'appelle des bolasses de feu. C'est quoi? C'est de la corde au bout? Ouais. C'est de la corde et c'est C'est imbibé de quelque chose? De canade, de fioul. D'accord. Et ça reste combien de temps allumé? Je sais pas, on va voir. Tu vas voir? On va voir. D'accord. Ouais, faut que je les essaye. Putain, t'as jamais fait? Non, jamais fait. Ah bah alors ça va être un scoop, peut-être que je tu crois peux que en prendre dans la. Tu Ouais. peux en prendre dans la bouche alors. Tout est possible, tout peut Ah, arriver, monsieur. là tu Tout passes peut au. arriver. Tu passes au zapping J'ai un malentendu. Bon ben on va voir ça. A tout de suite. T'as loupé. T'as loupé. Oh la Marie, qu'est-ce que tu racontes? Elle a arraché le bouchon en les dents. Putain, le pilote, elle a tiré dessus comme ça là. Elle est complètement allumée. Dame Jeannette. Mais du gaz dans les pillards. T'es pompette de quoi? T'as bu un verre de vin? Alors justement, il faut y aller. Tu vas l'entendre celle-là? Vas-y, tu mets bah, le doigt. Pour moi, je dis bien pour moi, la viande. Alors nous sommes le 23 décembre 2020. J'ai acheté cette cuve qui fait 2000 litres, celle-ci qui fait 1000. Donc elle, je l'ai remplacée avec celle-là là-bas qui était trouée. Et le mec, ben, il savait pas quoi faire avec ça, il m'a demandé si ça m'intéressait. Il m'a filé trois portes vitrées comme ça de 2 mètres et des poussières, 2 mètres 10. Et du coup là avec Romuald, on va décaisser ici. Parce qu'en réfléchissant un peu, on a trouvé que c'était pratique de le faire ici. Donc là on a pris les mesures entre là et là. On va mettre tout ça droit. Et puis on va poser ensuite les vitres comme ça. Tout le long là. Comme ça me fera une super petite serre. En attendant d'avoir mieux quoi pour faire quelque chose de plus pro quoi. Regardez-moi cette beauté. Magnifique couleur. On l'a trouvé en décaissant là. Donc je vais la mettre à l'abri, je sais pas du tout ce que c'est, je me renseignerai. Ça va se transformer en papillon, ça. C'est beau. Hein, on n'a même pas le temps de travailler là, qu'il y a déjà Marco qui nous appelle pour manger ses bananes flambées, donc on y va quoi. Voilà, la banane à Marco. Flambée. Il y en a un qui en voudrait bien aussi, mais non. Vas-y, goûte voir. Et donc on va goûter, hein, ça, je suis sûr que c'est succulent. Banane flambée au rhum. Voilà. Délicieux. Bravo. C'est simple. Allez, prends des forces. On va goûter. Alors pendant ce temps, nous avons Vas-y, pèse. Lise Rose qui me fait une décoration. Elle me met les clés là-dedans, bon, une par une. Puis on va voir. Au top, Marco. Au top, on va trouver le bon emplacement. Au top, la banane à Marco, je la kiffe. On est la veille du réveillon de Noël et on s'échauffe.
Alors nous sommes le 24 décembre 2020. Ce midi, on va manger une bonne choucroute. Donc, je suis allé récolter 2-3 pommes de terre. Vous voyez, ça continue à fournir. Et le fait de les laisser dans la terre, ça les conserve bien. Bon, il y en a 2-3 qui sont piquées, mais ça, c'est pas très grave. Et voilà. Et ce soir, on va aussi se casser le ventre. Et j'espère qu'on pourra vous faire un direct sympathique parce qu'il y a énormément de vent. En espérant qu'on puisse également allumer ce feu, ça serait pas mal. Et voilà, c'est le jour de Noël, le 24, et nous, on fête déjà ça entre midi avec une superbe choucroute. Regardez-moi ça. On est combien ? On est 6. Et tout ça dans le cabanon. Hein. Il reste une place. Hein. Et en plus, il reste une place. Alors ce soir, nous avons la chance que Lise Rose nous prépare un gâteau au citron pour ce 24 décembre. On va se régaler, regardez-moi ça. Alors nous commençons par des petits toasts au foie gras, s'il vous plaît, avec de la figue confite. Petite préparation pour les grillades. Petit boudin blanc et la clépinette. Bon nous sommes le 25 décembre et puis ce matin nous allons manger ce magnifique gâteau. Il fait un vent de fou furieux dehors et ça caille en plus. Comme ça mes invités voient ce que je subis quand le vent souffle comme ça. Allez, on va se régaler maintenant. Nous sommes le 26 décembre 2020 et ce midi, on mange du risotto. Alors un petit concentré de cette semaine avec mes invités. J'espère que vous vous êtes régalés, puis surtout ceux qui ont participé au direct du réveillon. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.